Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Power News avec Green Power 713. Alors, premièrement, parlons de l'arrière-plan. Cette fois-ci, c'est WrestleJump. Ça se trouve sur Internet, comme vous le voyez. On a une seule touche et le but, c'est que la tête de l'adversaire touche le sol avant la vôtre. Donc, aussi simple que ça. Donc, commençons tout de suite le Power News. Premièrement, comme d'habitude, les séries en cours. Hearthstone. Hearthstone, c'est un style de jeu de cartes assez spécial. Donc, je fais cette série avec Alex. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. C'est selon moi très amusant. Seule chose, c'est que je ne le mets pas tous les épisodes. Je ne mets qu'un épisode sur deux. Puisque l'autre épisode sur deux, c'est Alex qui le met. Si vous allez dans les playlists, vous allez voir les deux épisodes, peu importe. Mais si vous allez seulement dans les vidéos récentes, vous allez juste voir épisode 1, 3, 5 de ma part. Création d'une map aventure. Donc, où est-ce que je crée une map aventure en créatif? C'est... Comment dire? C'est une série que j'aime plus ou moins parce que je dois la faire en solo. Je vais essayer de régler ce problème-là en janvier. Mais pour l'instant, je la mets de côté. ModCraft saison 3, donc modé FTB, multi, mais solo. Qu'est-ce qui arrive, c'est... Ça lag énormément. Je sais pas pourquoi, pour être franc. Je vais essayer de voir si j'ai réussi à régler le problème. Si oui, vous aurez des épisodes. Sinon, je ne garantis rien. League of Legends, ça fait tellement de temps que j'ai pas fait de vidéo dessus que je ne peux plus réellement compter ça comme une série active. Donc, ouais. J'en mettrai peut-être par contre, puisque League of Legends... Ce sera une genre de série, j'avais pas besoin d'être toujours dessus. C'est pas une série qui aura une fin ou quelque chose comme ça. Donc c'est j'en mets quand je veux en mettre, puis je n'en mets pas quand je veux pas en mettre. À peu près le même principe que Hearthstone. Ultimate Skyblock. Ultimate Skyblock, c'est un Skyblock en 1.7.10 pour me permettre de faire un peu plus de choses qu'on pourrait faire en 1.8. Avec quelques échanges aussi. Et Gamer Professionnel 713 Pro Kong. Gamer Professionnel 713 Pro Kong. Donc, let's play sur Donkey Kong 64. Laissez-moi juste me marquer une petite note. Parce que je ne veux vraiment pas oublier la suite. Donc... Let's play sur Donkey Kong 64, désolé. Ouais. Vous pouvez avoir un peu moins bonne qualité, mais le gameplay est fantastique et c'est une de mes séries préférées à filmer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des séries. Sinon, c'est toutes des séries non réellement actives qui tournent en ce moment. Donc, ouais. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait premier à 50 points. Pour le WrestleJump. Ensuite, une question que vous pourriez vous poser, si vous regardez ça la journée de sa sortie en ce moment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'épisode de Ultimate Skyblock hier, si la vidéo sonne à temps, ou vendredi, si elle est un jour en retard. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas eu d'internet. Mon internet a brisé. Donc, si vous avez la vidéo en temps, c'est pour ça que j'espère qu'elle sera en temps. Mais je garantis rien à cause, justement, que mon internet ne fonctionne pas très bien. En tout cas. Donc, voilà pourquoi. Et moi, j'ai besoin d'internet pour filmer mon son. Sauf pour Gamer Professionnel 713 Pro Kong. Cela amène à une autre question.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de gamer professionnel 713 Pro Kong? Eh bien, rapidement, chez nous, il y a un petit problème avec de l'eau, ce qui a fait que plusieurs murs ont dû être, ben, un peu, des petites parties dans le plafond ont dû être détruites, ce qui a fait que certaines parties de où est-ce que j'enregistre n'ont pas pu être disponibles pour se déplacer, dont mon écran pour gamer professionnel 713 Pro Kong. Cela fait que je n'ai tout simplement pas pu filmer. Puis c'est ce que je trouve triste parce que je veux j'aime vraiment cette série-là et je veux absolument filmer. Mais je n'ai pas pu. Tout simplement. Ensuite, la petite note que je me suis faite tantôt. Gamer professionnel 713 arrive vraiment à sa fin. Je crois que je peux y faire encore 4 épisodes. Donc 4 épisodes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ça, je peux pas vraiment faire grand-chose. Ce qui veut dire que la fin de cette série et le début d'une nouvelle série vont arriver. Ce qui va arriver, c'est l'épisode fin d'une série, je vais le faire un vendredi. Puis l'épisode du début de l'autre série, je vais le faire un samedi. Donc, il y aura deux épisodes de Gamer Professionnel 713 cette semaine-là. Donc, pour l'instant, le prochain Gamer Professionnel 713 que je compte faire, c'est Pâte et Plume. Je vous en dis pas plus là-dessus. Mais je crois que vous allez aimer. Tout simplement. Finalement, la raison de ce Power News, c'est tout simplement Noël arrive à grands pas. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire les 5 jours de Noël. Donc, le 20 décembre, 21 décembre, 22 décembre, 23 décembre et 24 décembre seront les 5 jours avant Noël. Pour ces 5 jours-là, je ferai des vidéos spéciales. J'en ferai peut-être une sur Wrestle Jump. Donc, ce ne sera pas des longues vidéos de 30 minutes, ça va juste être des petites vidéos de 10 minutes. Un peu style Ultimate Skyblock. Donc, juste des petites vidéos avec un peu de contenu différent, juste pour Noël. Je crois que ça serait bien. Et c'est pour ça que je le fais. Donc, toutes mes autres séries vont être annulées pour l'instant. Donc, lundi, vous n'aurez pas de Hearthstone. Mercredi, pas de Modcraft. Vendredi, pas de Ultimate Skyblock. Samedi, on sort des jours de Noël, en tout cas. Et pour ceux qui se demandent, oui, je compte vous faire un cadeau de Noël. J'ai deux idées, je sais pas encore laquelle que je vais faire. Dépendant de ce que j'aurais envie de faire. Mais oui, je vais vous faire un cadeau de Noël. Cela dit, je crois que c'est bon. Donc, Wrestle Jump, juste vous donner un petit hint, si je peux appeler ça comme ça. C'est quoi le vrai terme? C'est un indice? J'aime moins indice. En tout cas, ce que je voulais dire par ça, c'est quand est-ce que je vais faire la vidéo sur Wrestle Jump? Ça devrait être soit lundi le 21, soit mardi le 22. Donc, je crois que c'est bon. Sur ce, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté pour ce Power News. Et comme d'habitude, je vous laisse à votre gameplay. Il ne reste plus beaucoup de temps au gameplay, donc je ne vais même pas l'accélérer. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye.
Ouh.